Coucou tout le monde. Alors, je viens pour une nouvelle vidéo avec mes coloriages terminés du mois de novembre. Alors, j'ai bien colorié ce mois-ci. Pour le coup, j'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire 15 colos pour le mois de novembre. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai bien œuvré. Tranquille quoi. Donc là, il y a une vidéo de mes coloriages terminés et il devrait y avoir incessamment sous peu la vidéo haul du mois de novembre. Je vais la faire là dans 3-4 jours à peu près. Donc on est parti parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Donc j'ai fait ces deux marque-pages du marque-page Vive l'hiver que j'avais vu sur la chaîne Morgane Colopation. Et j'ai pas résisté, comme d'habitude, à chaque fois qu'elle présente un truc, je ne résiste pas. Donc ce petit marque-page me plaît énormément. J'en ai fait plein pour mes collègues. Du coup, j'en ai donné à tout le monde. parce que j'ai pas arrêté d'en faire, pardon. Et c'est les deux survivants qui me restent. Donc voilà. Donc j'ai fait... Il y a du néocolore, beaucoup de néocolore, du Posca, du Signo, du Prisma. Celui-là également, j'avais mis aussi un peu de... stylo gel pailleté, je sais pas si vous pouvez voir, ça brille de partout. Donc voilà, je vous montre l'autre un petit peu plus près parce que moi j'ai pas de retour, donc je suis baissé pour vous montrer. Donc voilà pour mes deux petits marque-pages, j'ai trop aimé les faire en fait. Ensuite on va attaquer avec les colos simples. Alors dans le livre en PDF que j'ai acheté sur Etsy, Dream Dancer, je l'ai fait au Prismacolor et au Neocolor 2 avec un petit peu de stylo gel pailleté sur le collier, du Posca un petit peu sur la rose, et puis les bracelets aussi sont avec. Donc je vous montre. Donc ce livre là je l'ai acheté sur PDF il y a un petit moment quand même. Donc mais j'ai adoré faire ce coloriage, franchement je le trouve top, j'aime beaucoup. Donc là, c'est du néocolore. La robe est faite au Prisma. Stylo gel pailleté. La peau au Prisma aussi. Et la rose au Prisma. Donc voilà. J'aime beaucoup ce coloriage-là. Donc je fais sur du papier du 160 grammes. Et franchement, c'est top pour l'aquarelle. C'est génial. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite... on va passer, faut pas que je me perde parce que j'en ai fait tellement que je suis même plus. Donc on va passer en coloriage, celui-ci c'est créature incantate, également en PDF du Grazia Salvo, et je l'ai fait essentiellement au Prismacolor. Avec du Neocolor 2, du Posca, c'est toujours pareil. J'ai pas fait de fond parce que j'en avais pas envie. Du coup, donc je vous monte un peu plus près. Voilà. J'ai beaucoup aimé le réaliser également. Alors il y a du Posca sur les ailes, du Neocolor également. Là il y a aussi Posca, pardon, Prisma pour les cheveux, pour la peau aussi. Et puis pas grand chose de... mais j'aime beaucoup ce coloriage. Je le trouve trop beau. Encore en PDF. Ça c'est de Slavic Bodic. Badic, je sais plus. Enfin, Slavic Boti. Du Prisma, du Polychromos, du Neocolor 2 et du Posca Blanc. Alors le Polychromos c'est pour les cheveux. Excusez-moi. La peau c'est au Prisma Color. Également les fleurs au Prismacolor. Il y a aussi un peu néocolore. Le papillon a été fait au Prisma, si je ne me trompe pas. Avec un petit peu de signaux. Et puis, ben voilà quoi. Et j'aime beaucoup ce coloriage également. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'adore mon effet cheveux. Je trouve top. Voilà. C'est des coloriages qui m'ont demandé quand même assez de temps parce que je colorie pas trop dans une journée, maximum une heure ou deux, pas plus. J'ai pas.
nécessairement la force, c'est la force, c'est tout. Donc voilà, toujours en PDF. Maintenant, on va partir dans les livres. Alors, on va commencer. Ah non, j'en ai encore un en PDF. Ça, c'est le dernier de Christine Caron, Fairy 3. Et bah, j'aime beaucoup, quoi. Donc, tout ça a été fait au prisma, la peau au prisma, la chemise au néocolore. Et puis, le tour, bah, je me suis amusée à faire des petits ronds. Voilà, simple, hein, franchement. Puis, un petit peu de stylo gel. Et puis, les lèvres, j'adore les lèvres. Je me suis éclatée avec les lèvres. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de mes portraits. J'ai fait pas mal de portraits ce mois-ci. Et j'aime beaucoup le résultat. Pareil, c'est sur Etsy que je l'ai acheté, hein. J'achète beaucoup sur Etsy en PDF déjà. Donc voilà pour ce petit coloriage-là. Dites, et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai aussi mis un peu de signaux. Non, c'est pas du signe. C'est ce crayon-là que j'ai acheté aux Beaux-Arts. Le Gold. Il est super bien pailleté. C'est dual métallique. Et il est nickel. Franchement, les couleurs, elles sont topissimes. Et ben voilà, il est tombé. Je ramasserai tout à l'heure. Donc voilà pour celui-ci. On va passer au Botanicum. C'est mon crayon qui est tombé. Au Botanicum. Alors, le Botanicum, j'ai fait. Il faut que je regarde. Normalement, j'ai noté. C'est pas celui-là. Je sais pas, mais il est tombé derrière, je crois. Ah oui, celui-ci. Alors, je vous montre bien. J'étais très inspirée ce mois-ci avec les feuilles. Oh, merci, Nénette. Alors, celui-ci, le Botanicum, a été fait au Castle Art Supplies, au Signo. J'ai mis du. Non, c'est pas celui-là. J'ai dû. Que je regarde. C'est bizarre. Excusez-moi, 2 minutes. Ça doit être dans l'autre. Je mélange les deux en fait. C'est bizarre. Il me semblait. Ou alors c'est dans l'autre. Je mélange les deux en fait. Oui, je mélange les deux. Oh, oh, c'est pas grave. Bon, bref. Alors, Prismacolor pour les feuilles. Également les fruits. Les abeilles, l'abeille aussi, la petite fille aussi, avec un peu de stylo que je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu de signaux. Et ça, c'est un pochoir que j'ai trouvé à Action, et avec de la pastel tendre, que je me suis amusé à faire ça, quoi. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser également. Je trouve que ça ressort assez bien. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ils sont top de chez top. Ouais, j'aime beaucoup le rendu, en fait. Même si le fond il pète pas, mais pour une fois, je voulais que ça soit sage. Pas trop non plus, je voulais essentiellement qu'on puisse voir les fruits et les feuilles. Donc, j'aime plutôt bien le rendu. J'ai quand même passé facile 4 jours sur ce coloriage, hein. J'ai mis du temps quand même. Donc voilà. Donc là, au niveau de la balançoire, ça brille également. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est pas évident. À la caméra, c'est difficile. Donc voilà pour ce livre. C'est un livre que j'aime beaucoup. En plus de ça, les pages sont bien, bien épaisses. Donc c'est top à faire. On peut faire de l'aquarelle à volonté là-dessus. C'est nickel. Donc voilà, je cherche toujours celui-là que j'ai fait. Non, celui-là, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, c'est pas celui. Donc voilà pour le Botanical. Ensuite, on va passer au Flora. Alors, le Flora, je cherche. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, c'est celui-ci. Pourtant, j'avais noté la page, hein, mais bon. Alors, celui-ci, du Prisma, du Néocolore, du Posca. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je vous le présente. J'ai trop aimé aussi le faire. J'ai suivi un tuto dans un livre. Et ben, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le faire. Je me suis amusé pour l'effet mer derrière. J'ai aimé ça, quoi.
Je trouve le rendu plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Il me plaît bien. Et puis le derrière, c'est de la peinture noire acrylique que j'ai acheté à Leclerc. Je vais vous montrer si j'arrive à la retrouver. C'est celle-ci de la peinture acrylique de Leclerc Simpli. Vous voyez, j'ai pris du black et j'ai refait l'extérieur avec. Donc voilà pour ce petit coloriage que j'aime plutôt pas mal. Sympa, les feuilles ressortent bien, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour celui-ci. Normalement, il n'y en a pas d'autre là-dedans. Voilà, non. Ensuite, on va passer au Drumriz, j'arrive pas à le prononcer, de Maria Troll. Alors, c'est pareil, c'est un livre que j'aime énormément. Des colos entamés, j'étais pas satisfaite de moi, faut que je trouve un moyen de rattraper. C'est Jordan. Donc je crois que c'est celui-ci. Si je me trompe pas, oui. Je suis désolée de vous déranger. C'est pas grave, ma puce. Donc J'arrive. là, il a été essentiellement fait au Prisma et au Néocolor. Au Prisma également, tout est au Prisma. Il y a aussi du Posca, il y a du Signo. Et celui-là, j'ai mis un sacré bout de temps à le faire. Mais j'aime plutôt le rendu quand même, il est sympa. Robe, peau au Prisma, les cheveux au Prisma, tout a été fait au Prisma. Et j'aime beaucoup. Un petit peu de Signo dans les cheveux, sur les feuilles. Un petit peu partout, quoi. J'aime beaucoup le rendu. Franchement, un coloriage qui m'a pris énormément de temps, énormément. Je suis désolé, il y a de la lumière artificielle parce qu'il fait pas beau ici. Donc voilà. J'ai dû mettre au moins 8 jours avant de le faire. Et j'aime plutôt bien les couleurs, pardon, que j'ai mis. Je trouve ça trop mignon. Il est excellent ce coloriage. Donc voilà, ça sera tout pour le Drumriz. Oui, il y en a un qui me plaît énormément dedans. Ah bon? Il est jamais content. Celui-ci me plaît énormément. Je crois que je vais pas tarder à me lancer dedans. Parce que j'ai très envie de le faire. J'adore Maria Troll. Ensuite, on va se lancer. Alors. Or, celui-là, je l'adore, mais vraiment profondément, profondément, profondément. Je saoule tout le monde avec ce livre. Mais bon. Donc, dans mon livre préféré, j'ai fait celui-ci. Alors, je l'ai fait au Prisma. C'est la page de garde, comme vous avez pu voir. Je l'ai fait au Prisma, au Néocolor. Donc, le Néocolor, c'est pour le fond. J'en ai également fait ici. Au néocolore, le neuneu au néocolore, la petite fille au prisma, les ailes au prisma avec un peu de Posca, les feuilles au prisma color également, les arbres au prisma aussi. Et dans les petites feuilles, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis du Stiegels. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais ça brille de partout. Il y en a partout sur les petites feuilles. On n'en voit pas bien là, c'est dommage. Mais ça brille, je peux vous garantir que ça brille de partout. Sur les bonbons aussi, j'en ai mis. J'en ai mis là, j'en ai mis là. J'en ai mis partout, quoi. C'est juste trop cool. Donc, le suivant, j'en ai fait 3 ou 4 dedans. Je ne m'arrête plus. J'ai fait également celui-ci. Pareil, tout a été fait au Prisma, normalement, si je ne me trompe pas. Oui. Au Prisma, au Néocolor, au Signo et au Posca. Donc, vous voyez du Posca sur le sac. Celui-là a été fait au Néocolor. Le Prisma, Prisma, Prisma. Les champignons au Prisma. J'ai suivi un tuto d'ailleurs. Les fleurs au Prisma avec une pointe de stylo gel. Mon petit extraterrestre a fait complètement au Néocolor. Voilà. Le sol aussi a été fait au néocolore, les feuilles au prisma, avec des petites touches de pointe par-ci par-là de Posca. Mais franchement, je m'éclate dans ce livre. Ah oui, j'adore ce livre. C'est juste une tuerie, ce livre. Il est trop beau.
Donc, on passe au suivant. Et normalement, il est là. Ouais, j'en ai fait trois. Voilà, c'est ça, trois. Alors, mon petit couple, je l'ai fait. Que je ne me trompe pas. Attendez, je cherche. Alors, au Prisma, bah, pareil, la même chose. J'ai utilisé les mêmes outils. Néocolor pour le fond. Prisma pour la lune. Les fruits, pareil, au Prisma. L'arbre au Prisma. La robe et la petite fille et le petit bonhomme au Prisma, peau et habits. Les fleurs ont été faites au néocolor avec du Posca, du stylo gel. En fait, il y a un petit peu de tout, je vais vous montrer. Les feuilles aussi. Et tout le fond a été fait au néocolor. Deux. Et c'est tout si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près si j'arrive. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi aimé le faire. Franchement, c'est topissime faire ce livre. Voilà ce que ça peut donner. Et franchement, j'ai mis beaucoup d'eau, hein. Pour le fond, j'ai mis énormément d'eau. Et ça ne fait strictement rien à la page arrière. Et c'est top, quoi. Donc j'en ai encore un en cours qui est là. J'ai attaqué celui-ci. Je peux pas résister. Donc voilà pour le ferry. Donc je suis très contente de mon livre. J'adore ce livre. Ensuite, on va aller dans un tout petit livre, le Very Nice Coloring Book. C'est de Nicole. Je n'arriverai pas à le prononcer. Enfin bref. Alors, je sais pas si ça va zoomer. Mais bon, bref, c'est des petites souris et elles sont trop mignonnes. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, Prisma Color. C'est que j'ai marqué ça, moi. Au Prisma Color, oui. Au Polychromos et au Pan Pastel. Le fond a été fait au Pan Pastel avec des petits nuages que j'ai découpés. La preuve que j'ai fait moi-même. J'ai fait un petit nuage moi-même et j'ai fait un Pan Pastel que ma chérie m'a donné l'idée parce que je ne savais pas quoi faire comme fond. Donc, du coup, bah, j'ai fait comme ça, quoi. Donc, voilà mes petites souris. Je vous montre d'un petit peu plus près. Et mes petites fraises. Celui-là, j'ai adoré le faire aussi. Donc ça, c'est dans le Very Nice. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment pas cher comme Yves. 4 euros, 5 euros. Mais franchement, topissime. Et j'ai également un autre comme ça que je montrerai dans ma prochaine vidéo. Ensuite, on va passer... Un livre que Morgane Colopassio a montré dans ses hauls et m'a fait craquer. Et j'adore, franchement, j'adore. Donc, dans ce livre, j'en ai fait deux. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est l'encours que j'ai envie de faire. J'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai rigolé tout le long de mon coloriage. Parce que les petits Ouistiti m'ont fait rigoler. Mais c'est un truc de... La tête qu'ils ont, c'est un truc de ouf. Donc, les éléphants ont été faits au Prismacolor. Également pour l'herbe, les arbres, le fond a été fait au néocolor, le fond néocolor, les feuilles aussi, les Ouistiti avec. Et une petite touche de Posca. Donc voilà, mais je me suis éclatée, j'ai tellement rigolé avec ces petits Ouistiti qui sont, on va dire, ratés. Mais bon, l'essentiel c'est que je me sois éclatée. J'adore, j'adore, j'adore. Alors dites-moi si vous en pensez, vu la tête des Ouistiti, c'est excellent. Rien que de le regarder, j'ai encore envie de rire. Donc, j'en ai fait également un autre. Celui-ci. Alors là, tout a été fait au néocolor et j'ai un trou au Prisma. Voilà, je crois que c'est celui-là que j'ai fait en début du mois, tout début du mois. Et bah, j'ai adoré le faire aussi. Franchement, c'est topissime à faire ces petits livres. J'adore. Écureuil, tout ça a été fait au Prisma. Prisma, néocolor pour le fond. Et puis bah voilà, il est génial ce petit livre. Franchement, c'est trop mignon. J'adore. Merci à Morgane. À chaque fois avec ses hauts, je craque. Elle fait de ses découvertes incroyables. Donc voilà, j'aime beaucoup mes petits écureuils et également mes petits éléphants. J'aime beaucoup mes petits éléphants. Et surtout mes Ouistiti. Même s'ils sont ratés, je m'en fous.
Et un petit dernier que j'ai fait là, je l'ai fini hier soir. Ouh, il m'a demandé du temps. Mais bon, le résultat vaut la peine. Donc voilà. C'est dans le livre Country Christmas Creative Haven de Teresa Goodridge. Je ne suis pas très. Donc, les maisons ont été faites au Prisma. J'ai suivi un tuto. Ça, la neige a été faite tout et au néocolore 2. Il y a aussi de la peinture sonnée que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Peinture sonnée, néocolore, sonnée. Prisma pour l'écharpe, néocolore pour les bidules, là, voilà, bref. Et puis, bah, j'ai beaucoup aimé. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'adore mon effet neige. Je suis plutôt satisfaite de mon rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime énormément. Ce mois-ci, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, voilà pour ce petit livre. Il est vraiment top. Et j'ai travaillé à l'aquarelle dessus. Beaucoup, parce que pour l'effet neige, beaucoup. Bon, c'est pas du papier top ici, hein, mais bon, on peut quand même travailler correctement. Vous voyez que ça n'a même pas gondolé. Pourtant, j'ai beaucoup utilisé d'eau. Hein. J'ai mis du stylo gel que vous avez pu voir tout à l'heure que je vous ai montré. Ceux-là. Il y a aussi ces deux-là que j'aime énormément. Beaucoup de paillettes dans ces stylos gel-là. Franchement, c'est top, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc ma vidéo se termine avec mes coloriages terminés du mois de novembre. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi, je me suis éclaté ce mois-ci à faire tout ça. Donc laissez-moi des petits commentaires ou alors abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce, un petit mot gentil, c'est ma récompense. Moi, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.